Coucou les amis, bienvenue sur ma page Vimeo. Je dis Vimeo. Bienvenue sur mon channel. La tarot reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager les vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur mon site de réservation. Je vous invite à y faire un tour et à réserver. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Hein? Et c'est important de savoir certaines choses, ok? Pour les nouveaux abonnés comme pour les anciens abonnés, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton. La cloche qui est à côté du bouton abonné, si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos pour vous. On va donc commencer. Lecture des Sagittaires. Ouais. Please give me a reading for my Sagittarius. Thank you. Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Please. Thank you so much. Les Sagittaires, il y a ici une porte de gloire, une porte de richesse, une porte d'abondance qui vient de s'ouvrir dans votre vie, un nouveau lifestyle. On a ici les anges qui sont en train de vous élever à un nouveau lifestyle, un nouveau genre de vie. Vous allez commencer à être capable d'acheter ce que vous voulez acheter, de porter ce que vous voulez porter. Vous allez commencer à vous sentir libre. Pour nos patients, vous allez commencer à être qui vous voulez vraiment être dans la société, autour de vous. Vous allez commencer à marquer une certaine différence, ok? Pour d'autres, si vous avez beaucoup pleuré ces dernières années, on a ici les anges qui sont en train de sécher vos larmes. Et il y a une très belle surprise qui va carrément rentrer dans votre vie et vous fortifier en tant que personne, d'accord, pour atteindre de nouveaux objectifs. On a les anges aussi qui veulent que vous fassiez un peu plus attention à vos économies et à vos dépenses, d'accord, parce que pour certains, you know, c'est pas intéressant que dès que vous faites de l'argent, en même temps, vous dépensez cet argent. Il faudrait que vous vous reconcentriez sur des choses sur lesquelles vous devez être concentré. All right, on commence. I just was giving me a reading for my Sagittarius, please. Thank you. All right. Les Sagittaires, il est probable que vous-même, vous êtes divinatrice, tarologue, astrologue. Pour certains, vous allez commencer à accepter votre pouvoir, accepter votre puissance. Vous allez commencer à accepter la réalité de l'existence réelle des anges. On a ici les anges qui vont commencer à vous prouver dans le physique qu'ils sont présents. Ils vont commencer à se manifester autour de vous. Pour certains, vous allez être capable de guérir les malades. Pour d'autres, vous allez être capable d'imposer les mains aux malades. Pour d'autres, vous n'aurez même plus besoin de cartes pour lire l'avenir des gens ou pour guérir les gens. Il vous suffira d'attraper leurs mains pour pouvoir, you know, faire des prédictions. Mais puis à partir de vous, il y a une très forte ascension quand il s'agit ici de vos pouvoirs divinatoires, ok? Si vous êtes vraiment dans ce domaine-là avec la lumière, si vous êtes vraiment dans ce domaine-là en tant qu'envoyé de Dieu lui-même et que c'est les anges de Dieu qui vous parlent, il y a cette forte ascension-là qui vient vers vous. Vous allez commencer à remarquer que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, faites attention à ne pas avoir la grosse tête. Faites attention à ne pas être arrogant, d'accord? Parce que c'est un peu comme les gens dans le monde humain. Quand ils deviennent riches, ils deviennent arrogants. Et vous, parce que vous allez remarquer que vous êtes une princesse ou une goddess, dans un certain sens, on a les anges qui veulent que vous fassiez attention de ne pas avoir la grosse tête, ok? Restez humble.
Mais il y a un autre niveau comment on dit ça? Une nouvelle expansion à vos dons. Alright? Une nouvelle expansion. C'est même ici quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse. Pour d'autres, on a ici les anges qui me parlent d'une nouvelle vague de jeunes divinatrices ou encore une nouvelle vague de jeunes hommes qui pratiquent la divination à soi. On a ici des gens qui vont commencer à être éveillés et qui vont commencer pour la première fois, à rentrer dans le domaine et essayer de savoir un peu comment ça se passe, faire un peu les choses par eux-mêmes, etc. OK? Pour d'autres. Si votre métier, c'est le métier d'infirmier, docteur, ou encore si votre métier, c'est juste le métier de guérir les gens, c'est peut-être même massage thérapeutique, masseuse, ou encore une fois, quelqu'un qui est traditionnellement, qui a été traditionnellement béni, par exemple, et qui est capable de guérir les malades, des maladies les plus sauvages qui existent dans le monde. On a ici les anges qui parlent d'une ascension dans vos affaires et dans votre business. Pour certains, vous allez commencer à vouloir, faire de vos dons la clé pour commencer à avoir de nouvelles entrées d'argent. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici vos entrées d'argent qui étaient bloquées parce que vous étiez en train de passer par cette transformation-là. Vous avez peut-être l'impression que c'est une transformation finale. Vous allez avoir l'impression que c'est une transformation finale. Tellement que, vous allez confondre spiritualité et réalité. Vous allez commencer à remarquer à quel point vous êtes powerful, right? Mais on a ici les anges qui disent que vous n'êtes pas la transformation finale. Donc, c'est peut-être votre troisième transformation ou votre quatrième transformation qui est là. Mais il y a environ 12 transformations, là sur des 7, mais. So, au fil des temps, si vous continuez de rester humble et si vous continuez de faire les choses pour le bénéfice des autres, vous devez carrément passer par 12 transformations, OK? Donc, vous avez encore 8 autres transformations à atteindre, ce qui risque d'être. C'est que vous allez être powerful day, whatever. Over here. Now, concernant l'amour, on a ici quelqu'un qui est vraiment célibataire. Pour certains, vous avez toujours été célibataire. Pour d'autres, vous êtes peut-être même vierge. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Ce n'est pas aussi quelque chose qui vous intéresse. Ou bien vous fuyez le sexe. À soi, ou vous fuyez les hommes, vous fuyez les femmes. Mais pour certains, patients, vous êtes célibataire. Si vous êtes dans la pratique, vous êtes célibataire dans un certain sens. Ou on a les anges qui vous ont mis à l'écart comme un œuf pour que vous soyez célibataire. Aujourd'hui, ils annoncent la fin de votre célibat. Et le commencement d'une nouvelle vie. Okay. Il y a une porte de gloire et d'abondance qui vient de s'ouvrir et je vous vois passer à travers cette porte. Pour une autre partie d'entre vous, vous allez commencer à rencontrer des gens importants ou même vous-même, vous allez être une personne importante. Et parce que vous êtes une personne importante, vous allez commencer à attirer les gens importants vers vous. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, il est important que vous vous accrochiez à un stylo et une feuille de papier. Il est important pour vous de commencer à écrire certaines prédictions, écrire certaines choses. Pour une autre partie d'entre vous, du jour au lendemain, on a les anges qui vont commencer à vous donner le nom de certains médicaments à soi. Donc, si vous-même vous êtes souffrant, mais si vous-même vous souffrez de certains problèmes, du jour au lendemain, on a les anges qui vont commencer à vous donner des remèdes.
Ils veulent que vous écriviez votre connaissance. Il est important que vous écriviez votre connaissance. Right now. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les vierges, les lions et les poissons. Bisous, bye.